Salut à tous, c'est Félin, on se retrouve dans ce deuxième épisode de Surviving Mars. Alors, notre batterie monte. On est sur pause. Du coup, je vous ai dit que je vous montrerai ce qui nous manquait. Alors, ce qui nous manque, les fusées, c'est où? C'est là pour ravitaillement. On va demander une fusée cargo. Alors, déjà, on va lui changer son nom. Voilà, Spoutnik 2, comme ça c'est pour bien se rappeler en fait. Spoutnik 2. Alors les fusées en fait peuvent varier d'apparence selon les nations qu'on prend. Alors bâtiment préfabriqué. Alors là, il va nous falloir un réseau de drones parce qu'on n'a pas pris tout à l'heure. On va en prendre 3. Une raffinerie de carburant. Ouais, raffinerie de carburant, ouais, ça c'est bon. Vaporisateur, on va toujours en demander un. Générateur Stirling aussi, on va toujours en demander un. Usine à polymère. Bon, pour l'instant non. Petite usine de pistache non. Petite usine électronique non. Déjà ici on est bien. Ici on va demander un transport télécommandé. Parce qu'on en a pas. Ça fabrique télécommandé. Oh, ça y était pas ça. Un véhicule télécommandé qui emmène les touristes. Ouais, pour l'instant, on n'a rien. Alors, des drones, on peut toujours en demander. Hein. La nourriture, non. Des polymères, on va toujours en prendre. On va prendre 10 de chaque. Voilà, ouais, on va reprendre que 5. Électronique, 10. Électronique, c'est. C'est ce qui va être plus rare. Voilà. Alors, on va lancer la fusée. C'est-à-dire que pour que notre fusée démarre, ici, il va falloir qu'on attende que la deuxième fusée atterrisse. Logiquement, on est en train de stocker les matériaux. Là, faut que je mette un réseau de drones ici, en fait, dès que notre fusée va atterrir. Parce que pour l'instant, notre réseau de drones, c'est la fusée et ça. Ils peuvent pas se recharger, les drones. Il faut vraiment qu'ils se rechargent. Sinon, on va être en rade. Et tour de détection, je peux en mettre une. J'ai pas besoin d'énergie pour ça. Donc, c'est vrai, je vais pouvoir en mettre une. Alors c'est construction, c'est les dômes, ça c'est les appartements, système de récupération de tout, ça c'est les statues et tout, c'est trop. Aplanir, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Alors, une tour que je voulais faire. Parce que s'il y a une météorite, faut qu'on sache quand est-ce qu'elle va atterrir.
Ah d'accord, je pensais qu'elle n'avait pas besoin d'énergie ma tour de drone, mais si elle a besoin d'une. Ma tour de détection, c'est pas vraiment. On va la faire là. Elle a besoin d'énergie. Alors, vérifions. Comment qu'on produit chargement 5. Énergie emmagasinée 60, capacité 200. On produit 10 et on n'en demande que 5 pour l'instant. Mais attention, on n'a pas encore construit ça. Il va peut-être nous en demander 5. Il va peut-être qu'on fabrique. Une éolienne, un truc comme ça. J'ai pas regardé le relief parce que les éoliennes, forcément, faut essayer de les mettre en hauteur. Ouais, ça va, on est en hauteur de l'autre côté, c'est bon. On a du bol. En bas de l'écran, on a le pourcentage de la fusée. Elle a 23% de. Entre la Terre et nous. Par contre, j'ai quelqu'un qui fout rien là. C'est lui. À l'heure, le truc il est là et surtout j'ai pas scanné ici. J'ai oublié, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Faut que je scanne. On va commencer déjà autour de nous. Déjà faire ça comme ça. Bon, on va avancer un peu. Alors, une recherche est terminée, c'est pas grave, on n'a pas besoin de regarder puisque l'autre va prendre leur lait. Bon, ce truc-là, on peut le déplacer, du coup. Dans ce moment-là, il n'y a plus rien. On va faire venir là. Anomalie analysée. Bon, on va mettre pause. The rover went dark for 5 hours. When it rebooted, it confirmed it had come into contact with an unusually high voltage electrical charge. Le rover n'a plus donné signe de vie pendant 5 heures. Puis il a redémarré et a confirmé qu'il avait reçu une décharge électrique d'un voltage particulièrement élevé. L'alerte rouge a été déclenchée dès que nous avons perdu contact avec le véhicule d'exploration télécommandé. Après 5 longues heures d'angoisse et de désespoir, nous avons rétabli le flux de données. Un sentiment de soulagement a envahi les scientifiques rassemblés au centre de contrôle. La foreuse télescopique utilisée pour sonder la croûte sur le site de l'anomalie a perturbé une couche de roche riche en magnétite, source de la charge électrique. Le rover est toujours en état de marche, mais il faudra du temps avant que son système de locomotion soit de nouveau pleinement fonctionnel. Les opérateurs ont transformé la défaite en victoire, consacrant ce délai inattendu à l'étude des propriétés magnétiques de la croûte martienne. Effet. L'explorateur télécommandé a subi un dysfonctionnement, les drones l'ont réparé. Effet 50% de réduction du coût sur les technologies suivantes, conduite basse gravité, drones et rovers plus rapides. Détecteurs autochtones, les tours de détection ne nécessitent ni énergie ni maintenance.
Ça c'est con, faudrait construire après celle-là. Et fait gagner 200 millions de financement. Là c'est con, ma tour, j'aurais pu la mettre par là quoi. Alors que là, normalement, je suis toujours à 5 sur 10 du coup. There's more to the barren environs of the red planet than meets. Ça c'est du social, on s'en fout pour l'instant. On va essayer d'en mettre une cinquième à la queue. Plus en plus de candidats, financement participatif, coût de recherche 1500. Voilà, ça c'est pour gagner de l'argent en fait. Donc on envoie des drones le réparer, donc faut qu'on envoie. Ce truc-là, ici, pour le réparer. Ah non, c'est bon, ils peuvent le réparer comme ça. Ah ouais, on doit être dans le champ de la fusée encore, là, je pense. Ah, c'est limite, hein. Ce qu'on va faire, c'est on va construire un truc de métaux encore. Universel, dépôt spécifique, truc de métaux. Mettre ça dans ce coin-là. Notre truc à béton se remplit. On va construire le truc d'eau maintenant. Extracteur d'eau, voilà. Alors, pour que notre extracteur d'eau puisse fonctionner, à mon avis, il va falloir qu'on mette des trucs à l'électricité, ça va trop pomper en électricité. Il va falloir qu'on construise forcément déjà un truc électrique, un câble électrique hein, pour aller de là à là. Il va falloir qu'on construise aussi, parce que de l'eau, il faut un tuyau. C'est dans, voilà, c'est ici. Il va falloir qu'on construise un tuyau d'eau. Il va falloir venir jusque là. Et pour que ça soit stocké, un château d'eau. Ah, j'ai les drones qui commencent à fatiguer là. Ils viennent se recharger là-haut vers le. Voilà, un petit château d'eau ici. Mm-hmm.
On va construire également, on va revenir dans électricité. On va construire des panneaux solaires. Alors tout ce qu'on construit, en fait, ça demande de l'entretien. On en construit plusieurs. Sur 5, comme ça on sera en peinard. Voilà. On va reconstruire une autre batterie. Parce que celle-là, elle est remplie. Mieux qu'on stocke plus au début avant de voir arriver le rouge vraiment quand on aura besoin. Il manque quoi là pour qu'on sorte ça? Les pièces détachées, on a plus des pièces détachées? C'est ça vraiment les pièces détachées. Mais si, on en a 3. Il n'y en a pas beaucoup. Ah ben il y en a encore là. Ah mais est-ce que les mecs de la navette peuvent aller jusqu'à là-haut? Ah, on a notre fusée qui peut atterrir. Alors du coup, on va faire venir... là. On va être bien. Secteur scanned. Secteur 9 scanné, pas de ressources. On peut effacer. Problème de transport, ben on le sait. Hein. Allez, on produit de l'eau. Pas raccordé à ce truc là. Pas raccordé à ça. Bizarre. Bien raccordé. Ah, il était pas raccordé. Pas encore de l'eau. Normalement, si on regarde notre château d'eau, en fait, on a une petite bulle ici. Et fur et à mesure qu'on va produire de l'eau, tout ce qu'on va stocker, en fait, bah, la bulle, elle va monter, forcément. Là, ils arrivent, ils arrivent. Là, on construit plein de trucs en même temps, c'est pour ça que nos robots sont surchargés de travail. Ah, on a notre transporteur, ça c'est bien.
Alors, récolter les ressources. Voilà, comme ça. Ce ne sera pas les drones qui le feront. Pour savoir ce qu'on récolte en fait. Bon, pour récolter, hein, on voit que c'est des métaux. Ce truc là on va le déplacer, on va en faire un autre par là. Parce que là on est un peu loin, hein. Là c'était juste pour les rechercher tout à l'heure. Mais avant faut qu'on construise autre chose. Voir notre bulle, si elle monte. Pour l'instant elle est encore en bas. On va attendre qu'ils aient fini de décharger la navette, eux. Et on construira un réseau de drones ici. Alors les panneaux solaires, ça nous aide à récolter l'énergie avec les rayons du soleil, bien entendu. Mais ça ne tourne que la journée, forcément, ça ne tourne pas la nuit. C'est l'eau. Statut plein. Énergie emmagasinée 200. Capacité 200. Production maximale 20. Production 35. Alors on en demande 10, on en produit 35, ça veut dire qu'on en stocke 25. Alors, celle-là elle est finie, mais on en stocke 25 la journée. On va pas du tout en stocker la nuit, parce que lui c'est 10 je crois. Maximum, moi c'est ça. Donc ça, bah, ça va nous faire un sort plus la journée, mais la nuit on va être en manque. Mais bon, par rapport à ce qu'on produit la journée et ce qu'on dépense la nuit, on devrait stocker pas mal. Hein. Ça devrait être cool. Moi j'aurais bien qu'ils aient fini de décharger là-bas. Recherche terminée. Ok. Alors, ce qu'on va fabriquer maintenant, un réseau de drones. J'en ai fait venir de la Terre. Poum poum poum. Alors, ça va être où ça? Ça va être là. Voilà. Réseau de drones. Voilà. C'est-à-dire que là, maintenant, les fusées vont pouvoir repartir, en fait. Les drones vont tourner autour de ça. Enfin, là on peut pas le voir parce qu'il est pas construit. Pareil, il va y avoir un périmètre autour. Et les drones vont pouvoir manœuvrer autour de ce truc là. Et surtout, il y a deux trucs de rechargement à côté. Alors il va falloir que je fabrique aussi un truc d'oxygène, hein. C'est ce qu'ils m'ont demandé de faire là. Bon, ce truc là il est toujours pas fini là. De scanner les dépôts dépôt universel des choses tout métal, c'est où? C'est là. Voilà, on va faire un truc vers le réseau de drones. Donc
de métal. Celui-là, on va y dire de le détruire si on peut. On peut pas. Comment on fait pour aller dans le menu? Je sais plus. Non, c'est pas comme ça. Ah ouais, d'accord. Bouton désiré, oui, d'accord. On peut faire ça comme ça. Faut bien connaître les touches, hein. Non, c'est pas Spoutnik que je veux, moi, c'est ça. Ça, c'est les touches. Voilà, c'est là. Récupérer, voilà. On va dire détruire cet objet. Récupérer. Voilà, c'est-à-dire que là, ils vont détruire celui-là. Et du coup, bah, ils vont tout mettre ici. Quoi. Là, je récupère ce que je peux ici. Comme ça, mes drones vont pouvoir faire autre chose que récupérer ça. Les drones qui se rechargent. Alors ma bulle, elle monte. On attend qu'elle soit à la moitié. Avec du carburant, donc vraiment qu'on speed. On va refaire un tuyau d'eau. Oh, il faut déjà que je fasse le tuyau d'énergie. On a fait venir un générateur Starlink, c'est vrai. Alors, on va poursuivre le câble. Un truc comme ça, puis on va construire plein de trucs au milieu. Voilà. Alors, pour qu'on construise le tuyau d'eau. Faut bien le mettre là. On va construire un truc d'oxygène, non, pas pour l'instant. D'essence, là, je sais pas quoi. Possible, hein, il est où? Ah, ça sert à quoi, du coup, ça? La priorité, hein? Éponge électrique émet des pulsations qui réduisent l'accumulation de poussière sur les bâtiments à portée. Ah oui. Bon, on va mettre un ici, hein. Voilà. Vachement important quand même. Parce que qui dit poussière dit entretien. Ascenseur récupéré. C'est pas ça que je veux, mais...
tâche. Ah ouais. On fait notre carburant. Oh, il y avait déjà une. On les fait venir une pour rien, du coup. C'est con. Voilà. À côté de ça, du coup, on va construire un dépôt de carburant. On va mettre là. Et comme ça, petit à petit, les drones vont prendre du carburant qu'on produit et vont ravitailler les fusées. Parce qu'il faut qu'on les fasse repartir pour pouvoir recommander quelque chose au cas où. Ces trucs-là, pareil, on va les changer de place après. Alors, toujours surveiller les batteries. Hein. Ça va. On est à moins 13. On le voit en haut de l'écran, en fait. On est à moins 13 de production d'électricité qu'à nuit. Ça sert à rien de construire autre chose. Hein, parce que tout ce qu'on construit, en fait, ça va nous coûter de l'entretien. Pour l'instant, ça sert à rien d'en construire. On a du stock. On voit que nos batteries sont hautes. Parce que la journée, ça va tourner. On fera des éoliennes par la suite. Sinon là j'ai toujours un générateur Stirling au cas où on en soit vraiment dans la patate. Bon, ce truc là il va jusqu'à où? Déjà on est bien là où on est. Pas de soucis. On va attendre un peu pour avoir du stock. Ça y est, il a fini lui là-bas. Il est plein. S'il est plein, c'est de la ferraille qu'on a dit, du métal. Donc, décharger la ressource. Toujours veiller qu'il fasse quelque chose lui, parce que pendant qu'il fait rien, c'est les drones qui travaillent. Et les drones, pour l'instant, bon, on ne suit pas grand-chose, mais... Voilà, électricité la journée là, on est à plus 12. Non, ça veut dire qu'on en use plus qu'on en gagne. Puisqu'on en dépense, on en gagne 12 la journée, et tout à l'heure c'était 13 qu'on en dépensait la nuit. C'est pas grave, on va refaire un générateur Stirling par la suite, ou même des éoliennes comme j'ai dit. Mon truc là-bas, il l'a enlevé, c'est bien. Bon. Nos secteurs. Pas de ressources, ok. On a, j'ai une anomalie là-bas. On peut aller voir. Voilà. Alors, mon explorateur, il est où? Il est là. Alors, mon explorateur, tu vas me scanner ça. J'ai fait un truc de métal ici. Moi. Ah, c'est pas grave, hein, comme ça, là, de toute façon, ils ont moins d'aller-retour à faire, ils vont aller plus vite. Ça, avec mon transporteur, j'irai les rechercher après. Récolter les ressources déjà là. Le béton s'en est où? Ça s'empile, c'est bien. Lui il bosse pas lui. Ah il a vu je surveiller, il est reparti au boulot. Alors, en fait la tour ça empêche qu'il y ait de la poussière sur les éléments ici.
donc de l'entretien à faire. Quoi. Secteur 89 scanné, pas de ressources. Ça, on l'a vu. Ici, on va pouvoir aplanir en fait. Après, pour pouvoir construire ici, une fois qu'on sera expansé, il va falloir qu'on construise notre premier dôme quand même. Maintenant qu'on a de l'oxygène. Ah non, on ne produit pas d'oxygène. C'est ça que j'ai pas fait. Faut déjà qu'on construise de l'oxygène pour qu'on soit un dôme après, parce que sinon. Je sais pas si je suis dedans ou. Il devrait être bon là normalement. Un truc d'oxygène. Un réservoir d'oxygène. Là ici ça va être notre secteur d'électricité, tout ça ici. On tirera des câbles après s'il faut. On va essayer de faire un dôme dans ce coin-là. Alors notre bulle, on en est où? Ah, il est presque à fond. Construction, réservoir, château d'eau. Je peux en mettre un autre là ou pas? Oui, voilà, on va en faire un deuxième là. L'eau, ça va être très important. Bâtiment non fonctionnel 1. What? Pourquoi non fonctionnel? Ah, j'ai pas de câble. Bah si, pourtant j'ai un câble là. Ouais, mon câble il passe pas en dessous, il passe à côté en fait. C'est pour ça. Là, il passe bien dedans. Ah ouais, parce que là-bas il y a une petite déviation. Ok, j'ai compris. Je le fasse venir quand même jusque là parce que sinon à chaque fois je vais croire que. Là je vais mettre pause. Irinti riche en uranium. Alors ce n'est pas tous les jours que Mars nous offre le choix de deux possibilités. La planète nous rappelle constamment qu'elle donne d'une main ce qu'elle reprend de l'autre. Le rover est tombé sur des rochers de coffinite riches en uranium, amassés sur un gisement important d'hématite. Les veines de minerai étaient placées de telle sorte au sein de rochers qu'il était impossible de forcer à travers sans en perdre une partie. Nous avions donc une décision difficile à prendre, mais au final, c'est le pragmatisme qui l'a emporté. Alors, exploiter la veine d'hématite, gisement riche en métaux. Exploiter la veine d'uranium, gisement de métaux rares. Ben, métaux rares. Ça coûte plus cher, les métaux rares, que les métaux normaux. C'est carré ou c'est rond?
Ah ouais, non, faut que j'aille dessus en fait. Nouvelle technologie disponible à la recherche. There's more to the barren environs of the Red. Serre martienne. Ça peut être pas mal. Là, on produit de l'eau, on va construire un dôme. Donc, va falloir qu'on. Ça, c'est quoi ça, explorateur? Germe. Tous les sols de chaque explorateur. Ça, déjà, c'est obligé. Ouais, de toute façon, on ne peut rien faire, il faut qu'on attende. Voilà, notre deuxième château d'eau. Va être construit parce que celui-là il est à fond de ses capacités. Produit du carburant à partir d'eau. Production. Production par sol, 12. Réserve carburant, 5 sur 5. Je sais plus si on peut les améliorer ces trucs-là. Pour l'instant, on peut pas. Bon. Déjà qu'on construise ça pour nos fusées. Ravitaillement, on va être un temps 30. Hein. Ah, celle-là ravitaille. On est à 27 sur 30 déjà. C'est bien. Ces trucs-là, pareil, on va les changer de place par la suite. Bon, lui, il a fini de flou. Métaux rares. Sur le bouton. Décharger les ressources. Voilà, comme ça, on va le faire venir par là. Je crois que c'était ici. Hein. Alors notre béton, on en est où? Ok. Ça y est, il a déjà fini. Ah, sauvegarde automatique. C'est pas moi qui touche à quelque chose, c'est le jeu. Alors toi, tu vas venir là. Maintenant, il va pratiquement arriver après la guerre, mais décharger les ressources, charger, récolter les ressources. Voilà. Alors, on a une fusée qui est prête à repartir, direct. Ah, faut appuyer sur le bouton. Lancer. Milestone achieved. Lancer une fusée depuis Mars. Allez, on a gagné 250 points de recherche. Ah, il y a notre symbole sur le fusée. Voilà, allez.
retourne sur la terre pour chercher des provisions. Alors, jalon atteint. Lancer une fusée depuis Mars. C'est bon. Alors, il va falloir qu'on construise un dôme, hein, parce que 500. Il faut qu'on soit vraiment les premiers à le construire. Électricité, on est à moins 15. Nos batteries, quelle gueule qu'ils ont. Bon, ça va. C'est encore pleine. Où va-t-on faire notre dôme? Ça, c'est des métaux rares, ok. Notre dôme, il va falloir qu'on le fasse dans ce coin-là, du coup. Donc, nous allons construire un dôme. Secteur 9, scanné. C'est pas grave, on a plein de scans à la suite. Il va falloir qu'on repère quand même un truc de béton. Hein. Puis du métal, parce que du métal, ça s'en va vite, hein, mine de rien. Alors, on va construire un dôme, mais par contre, ça sera dans le prochain épisode. Bah oui, il faut bien que je laisse un peu en... suspense la série. Bon, je vous remercie d'avoir suivi ce deuxième épisode, puis moi je vous retrouve au troisième. Allez, ciao.